Hello là, c'est les femmes. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai des gardes du corps maintenant parce que maintenant j'ai percé. C'est vrai, j'avoue. Je suis du coup avec Ashley que vous connaissez déjà et Gilles Saint-Louis que vous connaissez aussi déjà et on va vous faire la vidéo. On s'en angoisse de tout le monde quoi. On le fait vraiment pour vous en fait parce ouais. que moi j'ai un train à prendre. Je pense que c'est resté. Vous me l'avez demandé tout le temps donc là ça y est, ce sera fait. En fait c'est des bonbons et il y a plusieurs goûts. Il y a un bon goût et un goût dégueulasse. Donc il y a chaussettes sales, vomi, œuf pourri. Voilà. Elle m'a dit qu'il y a des bons goûts aussi. Ça c'est les bons goûts. Attends. Ça c'est les bons. Attends. Non là d'accord. C'est des mauvais. On prend un bonbon au pif et puis. Advienne que pourra. On voit ce qui se passe. Je ne t'ai pas dit, mais ça fait très longtemps que j'ai les bonbons. En fait, je ne sais. Ça se trouve que c'est périmé. Il y a une date de péremption. Attends, il y a une date de péremption. On est en quelle année? Ah merde. On est en 2017. C'est un 6 que je vois là. C'est en 2016. Au pire, on a une grosse cacarelle, tu vois. C'est bien pour la transition. Ouais, je prends la revue après demain. Il faut que je fasse la vidange, je crois. Ah, c'est le petit côté glam de la chaîne. Voilà. Petit voilà, glamour, voilà. Bonjour. Bon, alors, on va le faire, les gars. Attends, jeune, c'est quoi? Ah, choisis une couleur, noir ou jeune. Il a choisi les jeunes. Donc, les jeunes, soit on a du vieux fromage, soit du popcorn au caramel. On mâche, on avale pas. Genre, on fait pas genre comme ça. Faut mâcher, pas de dehors. Faut pas avaler. D'accord, ok. Popcorn au caramel pour moi. C'est dommage, c'est super bon pour le corn de caramel. C'est vrai. Tu veux goûter? Tiens. Est-ce que tu sens vraiment que c'est du fromage ou c'est juste dégueulasse? Ah, c'est dégueulasse. On dirait que c'est pourri. Il paraît que plus le fromage est mauvais, plus il est bon. Non. Là c'est terrible. Il faut jeter. Là, ce fromage là, il y a longtemps qu'il faut le jeter. Ça gueule plus après. Ça, c'est une couleur. On va parler par là comme ça. Voilà. Alors, ne parle pas viande. C'est désagréable. Moi j'ai choisi le vert. Soit citron, soit gazon. Ça peut être bon gazon. Gazon, ça va, gazon. Quand j'étais petit, j'ai mangé gazon. Oh bon? Le gars qui nous fait des révélations sur sa vie. François, il est mieux. Petit gazon, tranquille. C'est parti? Et citron. Moi j'ai gazon. Gazon. Mais c'est pas dégueulasse. Ça va. Ah, dégueulasse. En fait, les vaches, elles mangent super bien. Ouais. Ils ont fait pour reproduire le goût de l'herbe. C'est chaud, hein? Ça se trouve, c'est vraiment du. Ils ont pas reproduit en fait. C'est vraiment du vomi et tout ça? D'accord, ok, super. Comment vous avez fait vraiment pour les goûts? Vous voulez voir? Venez voir. En fait, les mecs, ils tournent autour des boîtes vers 6h du matin. Petite camionnette, ils passent. Bonjour, ça va? Venez, voilà. Libérez. Voilà, merci. Bonne journée, au revoir. Ben attends, t'as fait caca, on va pas gaspiller quand même. Vous êtes dégueulasse. Moi, je choisis le orange. Voilà. Pas l'orange. Orange, c'est vomi. Voilà. Ah, vomi ou pêche? Mais depuis le début, t'as eu que de la chance. Peut-être que tu vas de la chance. Tu auras encore de la chance. Bien, si je prends vomi, je vais vomir. On a un seau ou pas? Si on a un seau, c'est bon. On a un seau. Si on a un seau, c'est bon. Oui. Tu veux que je pleure en fait sur ma chaîne en fait? Non. C'est soit on tente maintenant. C'est parti. Et si tu as pêche, tu as pêche. Par contre, si on attend le orange à la fin, si tu as pêche, tu dois retenter une deuxième fois. D'accord. Tu peux tomber deux fois si on pêche. Non. On a choisi celui-là. Allez. Bon, allez, on croise les doigts, pêche. J'ai pris un pour moi. Ne regarde pas le mien. Allez, c'est parti. Pêche. J'espère que c'est pêche. Parce que là. Non, c'est dégueulasse. Oh, putain. On doit avaler. Tu dois avaler. On a pris trois vomis. Et ça a vraiment le goût de vomi en fait. Voilà, j'ai envie de pleurer. Oh non, il y a du vomi. Ah. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça c'est dégueulasse. Non mais attends, il y avait 6. Là il reste. Non, il reste 3 pêches là. Logiquement, il reste 3 pêches. Alors, qui veut en tenter? Non mais. Vous les garçons, moi, parce que vous êtes des garçons. C'est sûr, c'est pêche. Allez, là allez, c'est pêche. Allez, un petit goût de. Hein. Non. Pêche. Vraiment bon, franchement. Du coup j'ai envie d'en goûter le dernier. Tu es obligé de l'avaler. Tu le prends, tu le manges. Ah, c'est horrible. Ah, c'est pêche. Ça c'est moi, fait. C'est à moi de choisir là. J'aime bien le bleu. T'avais dit que c'est celui où il n'y a pas trop de risques. Parce que c'est soit dentifrice, y a pas trop de... soit blueberry. Vas-y, on va faire ça. C'est quoi blueberry? C'est... Oh, putain.
voilà, c'est beau. Manger leur propre truc. On va demander après là. on sait ce que c'est blueberry. Blueberries. Déjà, strawberry, c'est fraise. Voilà, donc déjà, blueberry, c'est pas fraise. Non, mais c'est des baies, non. Baies bleues. C'est des baies, oui. Ouais, peut-être. C'est team bilingue, les gars. Mais moi, je choisis celui-là. On a foutu. Il n'y a pas de risque du dentifrice. Un petit goût de fluor. Quand j'étais petite, j'ai mangé du dentifrice. Un petit moment gênant. Oui, mais quand on est petit, on a le dentifrice qui est sucré là. Ouais. Moi, parfois, je goûte celui de mon fils. Faut pas. Donc, j'avoue, et il est super bon. Papa, il a pas de dentifrice. Ah, mais oui. Je le fais. Moi, je fais dentifrice. Dentifrice, ouais. En fait, je sais pas et c'est non, quoi c'est le pas goût dégueulasse. De blueberry. Alors, je sais pas c'est quoi le goût. Dentifrice, tu prends, tu sais. Si tu dis dentifrice, tu sais. C'est frais en fait. Ah, bah, c'est dentifrice. Parce que j'avais pas goûté ce type de dentifrice. Choisis une couleur. Putain, mais je sens qu'avec la poisse que j'ai, je vais choisir œuf pourri. Choisir marron. Marron, alors marron, on a soit pudding au chocolat. Ah, oui, je sais. Ou nourriture pour chien. Nourriture pour chien. C'est con parce que quand tu es comme ça, ça donne envie, on dirait des petits haricots rouges. Ouais. Nourriture pour chien, je suis vraiment pas chaud par contre. Autant vomi, ça me. Ouais, attends, ça passe. Tu peux faire le vomi que la nourriture. J'attends de voir le goût. Genre, quand tu veux. Non, mais quand tu veux pas vomir en public, ça revient. il ravale et dit c'est pas si bon. Ça va, frère. C'est un petit côté passe, acide, toi, mais ça passe. C'est juste ça. C'était que. Ouais, c'est voilà. Moi, j'ai fait justement une. J'étais animateur sur Trace FM et pour mon anniversaire, on m'avait donné le défi de manger des croquettes pour chien. Et c'était vraiment pas bon. Et tu sais, en plus, t'as les petits morceaux qui restent coincés dans tes dents, donc t'as le goût qui reste. Et c'était vraiment. Cette vidéo est vraiment dégueulasse. Ça va, hein. Chocolate. Alors ? Ah, oh, c'est du chocolat. Mais c'est pas. C'est pas du chocolat. C'est pas du chocolat. Non, pas du chocolat. Mais tu tombes que tu aurais dégueulasse. Écoute, j'ai pas joué au loto, t'as vu ? Il y a la poisse. Ah, c'est pas bon. Il reste du noir. Noir, c'est putois ou réglisse. Je pense que les deux seront dégueulasses. Je n'aime pas la réglisse. Putois, ouais, moi non plus. Moi non plus. Bon, à mon avis, quand même, je préfère quand même manger de la réglisse que du. Comme ça, bon. Oh, non, c'est pas bon. Ah, c'est le pire. C'est le pire. Ah, c'est pas bon. Attends, ça quoi comme goût? Attends, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Dieu. Ça trouve un goût similaire, mais non, il y a pas de goût similaire. C'est pas bon. Goût pas bon. Pas bon. Un goût de caca. Également, allons faire œuf pourri maintenant, parce que. Allez. C'est quoi œuf pourri? On fait ça pour vous. C'est pour ah vous. Ouais. Et souvenez-vous de ça. Regardez la vidéo plusieurs fois. Alors c'est le jeune. Soit œuf pourri, soit popcorn et beurre. Oh mon dieu. Toi t'as eu que des mauvais en fait. Mais ouais. Après une petite pêche de. Tu vois. Et encore là c'était une deuxième tentative quoi. Moi j'ai œuf pourri. Oh. Ah oui. Bah évidemment. Oh, j'ai pas prévu. Ah mais je n'arrive pas à le croquer par contre. Ah non. Oh merde. Pas bon, c'est pas bon. Quand tu vois celui-là, j'aurais continué à le manger, je pense que j'aurais vomi. Ah c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. T'as ma gueule. Alors il nous reste du vert ou du blanc. Attends, et le blanc vert. C'est lingette bébé ou noix de coco. On dit pour le blanc. Oh. Oui mais c'est lingette bébé. Lingette neuve. Lingette bébé. Après utilisation, c'est ça le truc. Suspense. C'est bon, moi j'ai eu coco. Mais j'aime pas le coco. Coco. Alors, du coup, c'est. C'est avant ou après? Avant. Avant? Ah ben alors. Pas bon quand même? Là, quand même, il fait ça pour avoir. Tu veux pas ça quand tu prends un médicament? Non. Avec de l'eau, tu mets l'eau, après tu fais. Non. Oh. Non. Là, je me sens plus seule, mais écoutez, c'est la vie. Il reste un dernier, parce que le dernier, je sais pas. Tu vas le manger? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce que on est dans ton milieu, et voilà, avec ta caméra, voilà, et puis tu es au milieu, et puis tu es la seule fille, et puis j'ai plein de raisons. Non, ok. Plein de raisons, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est. Tu fais le truc tout seul, et après on fait ensemble. Voilà. C'est soit Tutti Frutti, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Tutti Frutti, soit Stinky Socks. Tu parles anglais ou français? Chaussettes bien dégueulasses, chaussettes qui puent bien. Mais qui puent bien sa mère, tu vois. Après le sport, quand t'as sué, toute la sueur de ton corps, elle a fait ça comme ça. Et elle arrive dans toutes tes chaussettes. Et puis ça, voilà. Et puis tu vois, mais la chaussette l'endemain. Mais bien sûr! Pour que ça puisse bien sortir, tu vois.
Et bien sûr, la chaussette, tu n'as pas senti, tu l'as laissé dormir dans, au fond de la chaussure pendant toute la nuit. Arrêtez, voilà. Arrêtez. Mais sinon, arrêtez, c'est tout petit. Sinon, c'est tout petit. En plus, c'est dans toute la boîte, il y a un seul. Tu goûtes, voilà. Tu nous dis, va. Non, il y aurait eu deux, franchement, je t'aurais accompagné. Ça aurait été plus bon de partager, mais là, non. C'est dommage, il y a qu'un seul. C'est pas nous, hein. Nous, on fait pas les choix. Allez, you can do it. Encouragez-moi. Mmh. Moi, je te sens capable. Oui mais non, non, non. Moi, je... Non. Sans goût de vomis. C'est quoi, c'est de la chaussette ou c'est plus de la chaussette juteuse, tu vois? Quel type de chaussette? C'est les nœuds? Tu sens que c'est les nœuds de tennis ou bien les chaussettes? De vomis mélangé avec le putois. Il vomit depuis toi. Tu me dis vomit depuis toi. Oh. Je vais l'en aller. Eh ben, you can do it. Fais plusieurs, plusieurs à vous. J'arrive pas. J'arrive pas. Aval, aval. Allez. D'accord. Je ne veux plus être dans mon emploi. Si tu veux l'immunité, c'est maintenant. Il faut que tu le fasses. Tu veux manger du riz ou pas? Allez, 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 allez. Ah. Elle l'a fait. Elle l'a fait, c'est vraiment dégueulasse en fait. Hein. Je tenais à te le dire. Ça m'a. Franchement, j'ai autant avalé. Moi non, je vois ça m'a avalé en fait. Non, mais t'es crade. Non, mais on crade. Non, mon chaussette d'avaler. Mais vous m'avez encouragé. Tu aurais jamais avalé ça. Je sais pas pourquoi t'as avalé, franchement. Tu es influençable. Punaise. Allez, on finit tous ensemble avec les verres tachetés. The last. C'est soit poire juteuse. Ou alors. Booger, what the fuck is a booger? Crotte de nez! Oh, ça va, on mangeait tous ça quand on était petit. Ouais, franchement. On mangeait tous ça quand vous mangez, c'est pas le bien, les miennes. Mais ça, c'est à qui ça? C'est vert avec des petites pépites. Voilà. Cette personne était malade. Donc, c'est soit des petits bouts de peau de poire, soit c'est les petits grumeaux. Voilà. Tout dans les glamour dans la vidéo. Allez, c'est parti. Allez. Voilà. C'est marrant. Je suis clairement pas gâté par la vie. Et tu as poire, c'est ça? J'ai dit. Ah, je n'ai rien. Si t'as eu pêche, t'as eu pêche. Ah. Faut qu'on avale, elle a avalé. Faut qu'on avale. T'as vu comment je mets une balle dans le pied pour toi? Pencher la tête vers l'arrière, c'est ça? Ça passe pas. Merde. Non, mais c'est pas grave, les gars, ne vous étouffez pas non plus, on est pas là. On peut la faire, alors tu l'as fait pour la passer, on fait ça, on fait ça. T'as avalé? T'as réussi? J'ai avalé. Ah putain. Moi j'essaie de mâcher pour réduire mais sans passer sur ma langue en fait parce que... Franchement j'ai une fragile. Cette vidéo là va mal tourner. Tu as avalé c'est bon. on a tous avalé. Tu as triché. Ça va... Quoi? Tu as pris comme si c'était un comprimé. On peut voir le replay? On peut... Non on va voir. On verra. On verra. Je vais vous mettre le replay, on verra. Voilà, on a... Voilà. On a tout mangé. Voilà. N'hésitez pas à essayer. Bon bah du coup c'est fini pour la vidéo Jelly Belly. Voilà. J'espère que ça vous... On espère parce qu'on est plusieurs. Petit à vous remercier. Non pas on espère. Ça vous a plu. Voilà. Ça vous a plu. Ouais c'est vrai en fait. Y'a pas le choix. Ça là. Vous a plu. Le pouce, et la... les pouces en l'air. Et les abonnements. Ah ouais. Et vous pouce. Allez voir Gilles. Et vous vous abonnez à sa chaîne même. Bien, toi, ça fait bien. Bah, c'est bien. Ça c'est bien. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé. Voilà. Et puis j'ai dit de défier aussi, ça fait bien. Si vous avez des produits comme ça, des marques bizarres, chelous à goûter. Ouais. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao. Allez, tchuss et allez voir sa chaîne. Voilà. Tu en fais un peu trop.